Comment dire, bah, j'écris toujours des chansons. J'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. Et j'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Mais alors, c'est encore plus inutile de proclamer dans les interviews, comme vous l'avez fait, « Je vis dans une époque de merde, dans un pays de merde, avec un public de merde qui a des goûts de merde ». Vous allez me dire, ça rime, mais vous ne l'avez pas chanté. Moi, je le chante un peu, quand même. C'est ce que je pense, dans le fond. Ouais. C'est ce que je pense, dans le fond. Ah, ça, j'en suis sûr. Je pense qu'on n'a pas de bol. Je pense qu'on n'a pas de bol, il faut s'exprimer dans une période intermédiaire où... ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut être n'accroche pas. C'est-à-dire qu'on est dans une période intermédiaire, une de ces périodes de merde, une de ces périodes de comme dirait un sculpteur, une période de forme indéfinie, un état intermédiaire de civilisation. Et cet état intermédiaire de civilisation a de quoi quand même nous mettre sur les nerfs. On n'a pas de bol. À la fois, c'est très très intéressant. On voit bien tout ce qu'on perd, mais on a du mal à voir ce qui se dessine par la suite. Et dans cet entre-deux, les gens tombent dans tous les travers et les gens sont pas très intéressants. Alors ça me paraît bien légitime d'être énervé. Parmi les morts, inutile de m'adorer. L'âge de pierre au royaume où tout fabrique du faux, à mes sombres jours funèbres que le cœur me paraît port, le goût ordinaire des choses me va comme un incendie. T'informe de ma présence, c'est un besoin d'infini. J'invoque ta substance. Dans ce burin d'idéaux où tout fabrique des sceaux, par la chose immuable, je n'ai plus confiance en vous. Le coordinaire des choses me va comme un incendie. Tous les boucs sont enterrés, tous les yaks en moi, tous les rêves, tous les rêves. Est venu visiter l'exposition. Donc, curieuse vierge utile, je mets ma tête tout dedans. Le courant d'une mer des choses me va comme un incendie. Ton mobilier ne change pas au terrible hiver. Où tu m'allaites,
à Paris, tous se disent mangeons en cambriolé, à Manœuvre, tournevis, petit dieu en colélé, le courant vite, mer des choses me va comme un incendie. Est-ce que toutes les époques ne sont pas des époques de merde, d'une certaine manière? Je reprends votre, si, votre appellation. Hein. Est-ce qu'ils n'auraient pas dit exactement la même chose à Woodstock en 1969? C'est une affaire de visibilité, je crois. C'est-à-dire qu'on peut voir un peu les issues. C'est vrai que là, il y a un problème d'issue. On ne voit pas l'issue à l'anglaise. On ne voit pas sur quoi ça va déboucher tout ça. Et... on est très très énervé, surtout. Enfin, moi je le sens en tant que chanteur français, en tant qu'utilisateur, tentant des expériences sur la langue française, essayant de m'adresser à un public qui devrait être français et qui l'est très très peu. Donc évidemment, ça m'énerve. C'est quoi qui m'énerve? C'est l'insuccès qui m'énerve. C'est l'insuccès, c'est la mévente qui m'énerve. Mais je pense que tous les artistes, dès que je les rencontre, ils sont encore plus énervés que moi. Mais ils sont beaucoup plus pros, ils ne le disent pas. Mais tout le monde est très très énervé par ça.